Bonjour à tous, c'est Jen Tetsuya et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Palia. Alors, du coup nous allons finir la quête comme un oiseau. Et du coup je me suis renseignée pour le tissu et le cuir. J'ai monté la compétence de construction de meubles juste en faisant la bibliothèque en fait. Apparemment ça devait donner beaucoup plus d'XP que le reste. Parce qu'il y avait beaucoup d'ingrédients. J'ai monté la compétence au niveau 2 et au niveau 2 nous pouvons acheter un métier à tisser, à tiche. Donc nous allons aller le chercher et avec ce métier à tisser nous pouvons faire et du cuir et du tissu. Je crois qu'il coûte une centaine de pièces. Une centaine de pièces et après pour faire le cuir il nous faudra des pots de serre et pour faire du tissu il nous faudra du coton. Et le coton, on en a planté, mais je ne sais pas si il arrivera à maturation. Aujourd'hui. Oui, fais coucou. Ah, tiens. Ah, mais c'est Tiche qui veut nous parler. Bah oui, on vient de monter au niveau 2. D'ameublement. C'est sûrement pour ça. Elle est où? Elle est... Oh, tiens, on va pas les mettre. On doit pas être si loin que ça. Ok, donc elle est là. Coucou! Il paraît que tu te débrouilles super bien en menuiserie, j'admire. Mais il y a toujours de nouvelles choses à apprendre. J'ai un tas de nouvelles recettes disponibles si ça t'intéresse. Plutôt pas mal comme affaire, pas vrai? Alors c'est le métier à tisser qui nous intéresse. Donc on pouvait pas le choisir parce que à chaque fois qu'ils mettent la boutique pendant qu'ils sont en train de parler, eh ben ça bug. Donc on lui parle. Et ensuite, boutique! Donc, le métier à tisser. Donc, recette cuir, recette tissu. Le four à verre, est-ce qu'on en aura besoin? Recette de lit moyen. Nid douillet. Ça c'est un petit peu de tout, mais on peut pas trop... Ah, on peut faire de la soie dans le futur. D'accord. Donc on a les recettes et les objets. Four à verre. Ah, et on a des sous. Vitre en verre, recette ampoule en verre. Lit moyen, nid douillet. On va l'acheter aussi. Je suppose que si on va là, c'est la même. Ah non, on peut acheter du cuir et du tissu. Et de la soie. On peut pas acheter ce qu'il nous faut pour faire le cuir et le tissu. Donc la soie, les cotons. Et les pots de serre. Alors on va aller chercher les serres et on va aller les chasser. Non, ça, tu fais ça d'ailleurs. X. Oh, on peut avoir des familiers, d'accord. Alors, celui-là, est-ce qu'on peut le changer avec genre rien? Ah oui, ouais, c'est très bien. Comme ça, elle ne fera plus coucou partout. On mettra des nouvelles choses plus tard. Donc là, on va aller chasser pour pouvoir faire le cuir. Et les serres, il me semble qu'ils sont un peu plus haut vers ici. Plus ça va être la nuit, du coup plus personne va vouloir nous parler. Chaque fois je laisse le jeu en suspens derrière et à chaque fois il passe la journée. Je l'ai pas eu. Mais il est pas genre méga grand lui. Ah non, il a disparu. Ah non, il est allé juste au bout. Ah, lui c'est bon.
Ok, une peau ici. Et il fonce là-bas, lui. Peut-être qu'il nous donnera plus de peau, ça a l'air d'être un papa. Il a l'air plus grand et plus dur à chasser. Ouh, on l'a eu. 4 peaux de cernuc, 2 viandes et un bois de cernuc ancien. Donc c'est genre un méga cernuc. On a eu de la chance de tomber dessus. Wesh, t'as sauté jusque là-bas, toi. Niveau chasse, on est pas mal, non? Niveau 2. Ça va. Mais des fois, il dépasse. C'est bizarre. On revient ici. Ah mince, je crois que j'ai touché par terre. Heureusement que j'ai beaucoup de flèches. Comment ça, il a disparu? Reviens ici, toi. C'est pas parce que j'ai vu un méga cernuc que j'ai plus besoin de vous, hein. Voilà. Il me semble que ça, c'est un méga cernuc aussi. Je cours, je cours, je cours, je cours. Je sais pas si ça l'a touché ou si ça a touché à côté. Il est dur, hein. T'es dur en affaire, hein. Mais arrête de dépoper, repoper ailleurs. Je vous veux pas, moi je veux lui là. Toujours pas? Ah, ça y est. Ah, on n'a pas eu les bois cette fois-ci. On va aller voir ce qu'il y a dans le coffre parce que j'ai vu qu'il y avait un coffre plus loin. Youhou! On est chasse niveau 2 quand même. C'est pas mal. De l'or, des planches d'aubier et un coffre trésor. Très très bien. On est où? On est là. Il va falloir qu'on revienne. Quelqu'un avec lui, bof. C'est parti. Et un champignon. Et un poireau. Oignon vert sauvage, d'accord. Ça ressemble à un poireau. Oh, encore un méga cerf. Il le fait courir partout. C'est pas grave. Noctuelle de climat. Celle-là, on l'a déjà eu aussi. Là, déjà eu. De nombreux objets peuvent être offerts. Essaye de trouver les favoris de tes voisins. Bah, les gens qui aiment bien les pierres, enfin, qui minent, bah, ils aiment bien les pierres. Les bûcherons, ils aiment bien le bois. Tu veux une petite planche? Oh, quel magnifique cadeau. T'es allé jusque là? Oh, il y a des mines. Allons lui offrir un cadeau à lui aussi. Sa porte est toujours ouverte. Hein. Par contre, lui, il laisse rentrer tout le monde chez lui. Najuna, elle est là.
Je peux pas t'offrir de cadeau pour l'instant. On n'est encore jamais allé par là, hein. Exploration! Fouiller. Je ne vous ai pas dans mon collimateur. Elle est en face de la mine. Il attend. Yeah. C'est un méga... Oh... Je peux pas juste te donner un caillou. Ah d'accord, il est dur en affaires, hein, le monsieur. Tiens, un coffre. Ok. J'ai ça. Non. Il est dur. La décoration et la médecine. Tiens, de la viande. Ah, la viande, il aime bien. All right. All right. Oui, on va voir ce qu'il y a dans les mines. Bah, y'a rien à miner déjà. On va se perdre en plus. Est-ce qu'on peut se re-tépé chez nous? Oui. Re-tépé ton joue. Alors, active la grille de placement avec RT en mode de placement. Ok. Merci. Alors. Métier à tisser, il nous faut. Ok. Ok. Bah, ça j'ai. Donc, on va te prendre. On veut faire ça, donc on va te mettre tout ça. Non, toute la pile. Voilà. Est-ce qu'on peut construire autre chose? Le four à verre. Il nous faudra de l'argile et des cailloux aussi. On va refabriquer des planches. Tant qu'on y est. Alors, oui, j'ai débloqué une extension trophée. Ok, carrelage. Et du coup, comment on fait pour débarrasser tout ce qu'il y a derrière? Genre ça, ça bouge pas les... Je me trompe toujours. Il va falloir que j'enlève tout. Et en plus que je change les passerelles de place. Ok. C'était juste pour être sûr. Allez, saute. Ah, ils sont pas encore bons. Allons remplir notre arrosoir. Ouf. Ok, alors. Tish, comment apprécies-tu ton incursion dans la menuiserie? Si tu t'arrêtes dans ma boutique, j'ai des choses passionnantes à t'apprendre. Tu seras en mesure de fabriquer un four à verre, un métier à tisser et un tout nouvel ensemble de meubles qui est parfait pour n'importe quelle ferme. Ok. Tiens, je te mets tout ça. Non, pas le papillon. Rends le pipaillon. Ça, on va le laisser. Ça.
Alors, grillé. Ok. Oh, bah c'est joli. Ok, donc on a une petite bibliothèque. Elle est à l'envers, hein, on est d'accord. Ouais, c'est mieux comme ça. Hop là. On peut ramasser certaines choses pour les mettre à l'intérieur. Ok. Oui, tu peux la mettre ici. Ce n'est pas dérangeant. On va le mettre juste ici. Le paillasson à l'entrée. On a la petite table. On va mettre plutôt vers ici. Avec son petit tabouret. Et sa petite chaise. On est plutôt pas mal là. On peut s'asseoir dessus déjà? Ah oui, on peut s'asseoir à table. C'est chouette. Ramasser. Merci. Tiens, regrille des trucs. Moi, je vais vendre ce poisson. Ça, on peut pas la vendre? Bon, tant pis. Ça non plus. Tiens, je vends ça. On a besoin de beaucoup de sous. Alors, où est-ce qu'ils en sont ici? Ah ouais, c'est méga long. Je pense qu'on va faire une ellipse jusqu'à ce que j'ai tout ce qu'il me faut. Ok, on se retrouve tout de suite. Et nous revoici du coup devant notre fonderie. Hop là, c'est bon, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir fabriquer l'atelier de menuiserie, le métier à tisser, c'est ça. Ouais, c'est ça, le métier à tisser. Et hop, un métier à tisser dans la poche. Alors, hop, 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 hop. Voilà. Si on le mettait dans la tente plutôt. Hop là. Fabriquer du tissu. Alors, pour du cuir. On peut déjà fabriquer genre un tissu. Je sais que on a notre coton qui est prêt. Donc on va récolter le. Bon, on va tout récolter en fait. Ouh, jardinage niveau 2 aussi. Ok, ça c'est cool. On continue de faire les petits repas. Parce que la cuisine c'est aussi un niveau à faire. Alors, pour un tissu, il faut un coton. Ah ouais, 8 minutes.
Non, je veux juste en mettre un. Pour faire un tissu. Bon, ben on se re-retrouve quand tout est terminé. Voilà. Et voilà, nous avons atteint le quota recherché. Alors, non, 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 moi je veux juste que tu récupères tout ça là. Hop là. Pour qu'on puisse aller finir la quête de Najma. Attends, est-ce que j'ai encore quelque chose à... Ah mais c'était du blé et non une mauvaise herbe. On n'a plus de graines. Va falloir acheter des graines. Alors le coton, on va le garder. Mais puissance 1000. Regardez des petites patates. La céramique, ça c'est du loot, du coup on va le garder aussi. Ok. Badrou, si tu veux un petit secret agricole, arrête-toi chez moi plus tard et prête-moi l'oreille. Cette fois, promis, je ne parlerai pas de maïs. Allez, j'ai la diète. Le secret, c'est que j'ai une recette pour un collecteur de graines à te vendre. Un collecteur de graines. Allez, objectif Najma et Badrou. Cinétose. Donc on a enfin fait les tissus et les cuirs nécessaires à notre palavoil. Paravol. Paravol. Je suis sur un serveur où il n'y a que des Anglais. Moi, si je parle, ils vont rien comprendre de ce que je raconte. Alors, lui, il est juste là. Et la paravoile, elle est de l'autre côté. On va d'abord aller de l'autre côté. Vas-y, cours! Va falloir quand même qu'on s'arrête pour avoir un caillou pour offrir à Najma. Si on en a un pour son père aussi, ce serait cool. Et toi, on t'a pas encore croisé. Oui, aujourd'hui, on t'a pas encore adressé la parole, donc bonjour toi. Ils relèvent tous la tête. Il y en a un qui est parti. Ça, c'est du travail d'équipe, monsieur le cerf. Alors, on est où? On est là. On n'a pas un caillou à miner? Genre le... Ici, là. J'espère qu'on va avoir quelque chose d'intéressant. Ah! En bûcheronnage, on est presque au niveau 4. Vous voyez, tout en haut. Bah, minage, on est niveau 3. Pierre et silex. Mais j'ai envie d'être niveau 4, moi, de bûcheronnage. Alors, hop! Au boulot! Yay! Alors, le but... C'était d'avoir des cailloux. Et dans ce secteur-là, il n'y a pas de cailloux. Il n'y a pas de cuivre, je veux dire. Du gingembre sauvage. Ok. Ok, ok, ok. Qu'est-ce que c'est ici? Grotte d'Einar. Il faut la clé d'Einar pour entrer. Oh. D'accord. Je reviendrai plus tard avec une clé. Caillou? On revient sur le village là. Je vais avoir ça, mais ça c'est de l'argile, ça il me semble. C'est pas du cuivre. Nous on veut du cuivre, réellement. Bijour, bijour, est-ce que tu auras du cuivre? Là-bas, là, il y a du cuivre. On n'a pas là-bas. Mais il y en a ici. Si on pouvait avoir des pierres précieuses pour offrir à Najma et son père, pour l'amitié. Najma, c'est pour la quête. Découvrez ce que Najma désire cette semaine. Il faut bien
du minerai de cuivre, on pourra lui redonner. Mais je pense pas que son père, le minerai de cuivre, ça l'intéresse plus que ça. Je crois pas trop. Hop là. Je pense pas qu'on va trouver de pierres précieuses. C'est le dernier qu'on fait, après on va voir son père. Paf. Ouais, il n'y en avait pas. Bon bah, here we go. Je suis à fond. Je suis à fond de la vitesse. Ok. Attends, s'il y a son petit dessin, c'est-à-dire qu'il est de ce côté de la map. On va avoir un petit dada. Genre pour courir. Alors, en voilà déjà un. Donc, il veut nous parler parce qu'on est monté niveau 3 de minage. Hop là. Alors, l'extraction n'a pas encore perdu de sa saveur. J'ai quelques nouvelles recettes en stock qui pourraient t'intéresser. Alors, une pioche standard. On est d'accord que les pioches, on en a besoin. Ah oui, c'est vrai qu'on est dans le menu avec magasin. Du coup, il veut pas. Najwa vient pas souvent en ville, je crois qu'il y a trop de gens et trop de bruit à son goût. Okay. On peut pas t'offrir de cadeaux? On peut pas re-t'offrir de cadeaux, ok. Alright. Alright. Bisous, à la prochaine. Bon bah, allons voir Najwa. Maintenant qu'on a une nouvelle pioche, il va falloir qu'on se la construise. Certainement pour le prochain épisode. J'espère qu'on ira chercher la hache de bûcheronnage. Parce que disons qu'on a agrandi notre zone. Mais il y a des arbres un petit peu plus résistants derrière notre maison. Donc si on veut pouvoir agrandir la maison sur cette pan de map, il va falloir tout déblayer. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais t'étais de l'autre côté. Y, ça veut dire quoi? Il peut faire assez sombre à la mine, alors j'ai une petite astuce. Attrape quelques lucioles lampions et je les enferme dans un bocal. You're still here, huh? Ok. Il est revenu en arrière. Pour une fois, on a un épisode de jour, c'est cool. À chaque fois, je tombe pendant la nuit et je ne sais absolument pas comment passer le temps dans ce jeu. Sauf rester en off et attendre que qu'il daigne mettre un petit peu de luminosité dans notre vie. Mais t'es où? T'es pas dans ton atelier? C'est bizarre. Oh. Stevia, Margarita Ronce et coffre trésor. Putain, y'en a des trucs ici. Najwa! C'est plutôt sympa de voir que plus de gens du coin. J'initiais des traces de trucs bizarres. Ok. Je cherche encore le corps. J'adorerais pouvoir remettre ce bidule sur les pieds. Ok, bah moi je t'ai apporté les matériaux. Et voilà, dis-moi si jamais quelque chose se passe mal, s'il tombe soudainement en morceaux ou quelque chose dans le genre. Mais à ta place, je ne m'inquiéterais pas trop. J'ai déjà réglé la plupart des problèmes. Donc, on a eu un planeur. On a eu notre planeur. Bah du coup, c'est bon. On n'a plus trop à traîner ici. Parce que... il est construit, hein, on est bien d'accord. Inventaire plan. Oh, maman. Attends, est-ce que j'ai les recettes? Non, les recettes, ça se met pas là. Eh, y a un loup, là. Ça sert à rien de le chasser, parce que... c'est un loup, hein. Enfin, une espèce de loup. Rentrons à la maison. Ouais, je me disais bien aussi. Non, plutôt allons parler aux personnages qui nous restent à parler. Parce qu'on est monté le bûcheronnage également. Du coup, on veut une nouvelle hache. C'était ça l'objectif de base. Après le planeur, bien entendu. Décore ta maison avec des poissons, des insectes et même de la nourriture de qualité étoilée. La nourriture aussi? Ok. Ils sont super loin les deux. Bon bah here we go. Ça c'est chez nous, je crois.
Ah non, c'est la cascade du phénix. Ce sera pour poursuivre la quête. Parle à Gina dans le temple mystérieux et découvre ce que Najma désire cette semaine. Sans... Bon, bah, on va devoir attendre un autre jour réel. Parce que ça a passé une journée dans le jeu, mais du coup on peut pas lui offrir de cadeaux encore. Mais un petit renard, c'est trop mignon. Moi aussi je veux un petit renard. J'ai déjà parlé à ces deux-là pour gagner d'amitié. Just be quick about it. That's enough. Ok, il est content. Coucou Toh. Oh, c'est l'heure du goûter. Toh attend une friandise avec impatience. Bah tiens. Au moins, il y en a un qui est content de manger ma petite viande. Il va falloir que je retourne chasser pour avoir d'autres petites viandes. Quand j'aurai de la place dans mon inventaire. Ah, j'ai fait une place dans mon inventaire. En donnant à manger à Toh. J'aurais pas pu lui donner une carotte. Est-ce qu'il aime les carottes, Toh? Je sais pas. Je pense pas. Quoique, la prochaine fois, on essayera de lui donner une carotte. Je vais essayer d'aller là-bas. La maman d'Auni. Ah, le voilà. Nous, on veut des recettes. Pour pouvoir faire plus de choses. Ashura! Pas facile de faire la cueillette en respectant la terre sur laquelle on vit. J'ai peut-être une recette qui pourrait te faciliter la tâche. Ok, ok, on ressort, on rentre. Discuter avec Ashura, ok. C'est pas le grand luxe, mais c'est la plus belle suite de la maison. Tu as déjà envisagé d'avoir plus grand. Non, non, j'ai pas besoin de plus d'espace. Je préfère être ici à rencontrer de nouvelles têtes et créer de nouveaux souvenirs. Est-ce que je peux te faire un cadeau à Toh? Mes poches sont pleines. Ah, c'est justement ce que je cherchais. Elles sont plus si pleines que ça, hein. Tu te fous de notre tête. Alors, hache standard. Ok. Et des planches. Maintenant, allons voir la dernière personne qui veut nous parler. Yo. Attends-moi, 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 attends-moi. Eh, lui, on l'a pas, lui. C'est le dernier. Bon bah dommage. Dommage. Can I help you out? Ah ta-ta-ta. En gros tu me files de l'or et moi je te file des trucs. J'ai acheté un terreau. Non, dis-moi pas que j'ai acheté un terreau. Non, c'est bon. Call me an orange. Je crois. Alors, collecteur de graines. On va le prendre, hein. De toute façon, on a besoin de ça. Terreau, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Hop là. C'est bon, on peut rentrer chez nous. On a parlé à tout le monde. Sécurité, quelqu'un te met mal à l'aise, tu peux le mettre en sourdine ou le bloquer par leur nom. Ok, non, bah, nous, ça va. Hein. Ils sont tous anglais, donc... Je me concentre pour comprendre. Il suffit de pas se concentrer. Et tout va bien. Ah, tiens, Ashura, il est là. Hello there, friend. Salut toi, beaucoup de gens ici ont remarqué ta générosité, moi y compris. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais je voulais t'offrir un petit quelque chose pour te remercier. Tu ne t'en rendras peut-être pas compte en me regardant, mais mon signe lunaire est l'observateur. Ils disent que l'observateur est maudit par sa grandeur. Alors, notre pierre d'étoile est la mystérieux et magique onyx. J'aime pas trop la magie, mais je trouve que l'onyx est une couleur très puissante. J'ai pensé qu'en tant qu'humain, tu ferais toi aussi preuve de grandeur. Alors je t'ai pris ça. I'll see you around. C'est gentil.
Alors, le collecteur de graines, il va nous manquer de l'argile, des planches du coup. Mais tiens, ici, ça on a fait, four à verre, il va falloir qu'on le fasse. Et on a également... la hache, ouais. Donc, en off, je ferai des planches, de la céramique et tout le bazar. J'ai même une jardinière cabane de bois. Hop. Et la pioche également. Bon, bah, il faut également du cuivre et etc. Ok. Du coup, là, on a notre planeur. Je sais pas trop comment il fonctionne. Ah, si, ça y est. Ouh ! Ok. Donc bah c'est la fin de cet épisode, j'espère que celui-ci vous aura plu. On a cherché quand même pas mal de temps pour pouvoir faire... Enfin vous allez pas trop le voir. Personnellement j'ai galéré à attendre parce que pour faire tout ça là, c'est extrêmement long. D'ailleurs, j'ai des lingots, je vais les mettre. Je vais mettre les lingots et... Faites-moi des lingots s'il vous plaît. Brique en pierre, on n'a pas besoin. Lingot de fer, on ne sait pas encore faire. La céramique, je crois qu'on en a besoin également. On va mettre les planches que j'ai, comme ça au moins ça se fait en off. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans la prochaine pour la suite de notre aventure. Bye tout le monde!